Ces décorations aux personnalités gabonaises ont été remises au nom du grand maître des ordres nationaux, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema. Les distinctions honorifiques concernent entre autres les grades d'officier de l'ordre national de l'étoile équatoriale, de l'ordre national du mérite gabonais et de chevalier de l'ordre national du mérite. Pour les bénéficiaires, cette démarcation marque la reconnaissance des autorités pour leurs bons et loyaux services rendus à la nation. Tout le travail que nous fournissons au sein de l'association, les autorités compétentes ont trouvé mieux de me décorer aujourd'hui, donc en ce beau jour, vraiment un jour inoubliable. Ben, nous avons traversé les hauts et les bas. À la suite, nous avons été optimistes pour recevoir cette distinction. On n'a pas souvent le temps de réaliser tous les sacrifices qu'on fait. Et l'occasion nous est donnée aujourd'hui. Quand on reçoit ces médailles, ces récompenses, on réalise à quel point on est au service de l'État. Les populations venues assister à cette cérémonie de décoration qui entre dans le cadre du 64e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale reconnaissent la particularité de cette énième cérémonie, la première du genre sur la transition. L'État au plus haut niveau reconnaît quand même les efforts que les Gabonais font dans tous les secteurs parce que, s'il faut le dire, nous savons que tous les Gabonais aujourd'hui doivent se sentir investis de la mission de défendre les intérêts du pays. L'endroit de la joie d'abord, en première position, la joie, et c'est une fierté aujourd'hui où nous nous retrouvons certaines personnes qui puissent avoir une certaine marque, être décorées. Du plus petit au plus grand. Cette cérémonie organisée par la chancellerie des ordres nationaux a vu des personnalités de la République dans divers domaines politiques, économiques, culturels et sociaux, de la technicienne de surface au haut cadre de l'administration être récompensée pour leur action en faveur du pays. Cette cérémonie de décoration reste un moment propice pour récompenser le travail et le dévouement des Gabonais et Gabonaises à travers le pays.